ça se passe bien, il y a plein d'activités et qui sont vraiment intéressantes et voilà. Salut Lucas, tu as testé quoi comme activité aujourd'hui? J'ai testé le badminton, le ping-pong, la boxe, le vélo de course et le tir à l'arc. Et dans toutes les activités que tu as faites, il y en a une qui t'intéresserait de faire en club ou même en loisir, mais plus régulièrement? La boxe, vu que j'en fais déjà, du coup, ça m'intéresse plus. Alors mademoiselle, comment tu t'appelles? Léna. Ok Léna, est-ce que ça te plaît l'activité là, échec que tu fais là? Oui. Est-ce que c'est une activité que tu aimerais refaire? Oui. D'accord. Et là tu peux expliquer rapidement comment ça se joue? Non. Non? Pas du tout? Non, je sais pas. Bon, il faut bouger les pièces quoi. Ok, mais je sais pas du tout. Ça, cette pièce, tu sais comment elle s'appelle? Le cavalier. Le cavalier, c'est ça. Bravo. Bon, bonne partie, hein. Ok. Bonjour Melvin. Bonjour. Alors, quelle distance tu vas courir, mon grand? 8. 8, 8 quoi? 8. 8 km? Non, c'est pas 8 km. C'est 300 mètres. 300 mètres. Tu penses que tu vas gagner aujourd'hui? Oui. Ouais, t'es sûr? Tu es motivé? Oui. Bon, bonne course, mon grand. Thank you.
La course, elle s'est bien passée pour toi? Tu as bien couru? Oui. Tu as fait combien de kilomètres? 46. 300 mètres. 300 mètres. Combien de mètres tu as fait? 300 mètres. Tu veux pas? Et toi, comment tu t'appelles, ma puce? Alana. Alana, tu as fait quelle course? 300 mètres. Ok, ta course s'est bien passée? Oui. Tu es allé à l'arrivée, tu as eu ta médaille? Oui. Tu peux la montrer à la caméra? La belle médaille? Ben bravo, ma puce. Tu reviendras l'année prochaine? Oui. Ok, ben on se reverra alors. Au revoir. Au revoir. Est-ce que tu as participé aux animations? Est-ce que tu as fait le petit échauffement aussi? Oui. Qu'est-ce que tu as fait comme animation? La boxe, le vélo supersonique. Tu as fait le vélo, tu as fait combien de kilomètres heure? 172. Bravo, félicitations, c'est bien. Bon, on te reverra l'année prochaine? Oui. Salut Joanne. Alors, comment s'est passée ta course aujourd'hui? Je suis partie et ensuite... Il y a eu beaucoup de montées et ensuite ça a redescendu, mais j'ai eu des points de côté, mais c'est passé après. Donc malgré tout ça, tu es allé jusqu'au bout et tu as franchi la ligne. Ouais. Bon, ben félicitations mon grand. Et à l'année prochaine, j'espère. Ouais. Alors là, on a trois jeunes filles qui ont fini la course et on va leur demander un petit peu leurs impressions, comment ça s'est passé. On vous écoute les filles. Moi ça a été... Enfin, c'était cool. À la fin, ça a été un peu difficile pour moi. Et voilà. Et toi, mademoiselle, comment ça s'est passé? Malgré tout le monde qu'il y a eu, j'ai réussi à franchir la ligne. Ok. Et tu vas revenir l'année prochaine? Ouais. Pour faire encore mieux? Ouais. Super. Et toi, ma puce? Moi, c'était bien. Moi, je voulais la faire et je l'ai fait. Et je suis contente d'avoir la médaille. Pas trop dur? Non. Non? T'aurais aimé en faire une plus grande? Non, parce qu'au moins, je pourrais gagner. T'as fini combien aujourd'hui? Première défi et troisième en tout. Donc c'est pour ça que t'as une belle médaille. Oui.